On a toujours eu cette approche dans l'entreprise d'intégrer des personnes différentes, d'adapter leur poste de travail de manière différente. Nous, on a franchi le cap en intégrant dans notre effectif quelqu'un, mais qui finalement, de la même manière, va aller sur des tâches à moindre valeur ajoutée, mais qui sont nécessaires pour notre activité, nécessaires pour nos clients et valorisantes pour lui. Et ça demandait un petit peu plus peut-être d'investissement de notre part, mais je pense que le résultat par contre est radicalement différent. C'est important de travailler doucement, bien fait, pour les clients. Voilà. Alors moi, je regarde partout. Hein. Ah ouais? Oui. Dessous, à gauche, à droite, en milieu. Nickel. Il faut que ça soit parfait. Ouais, parfait. D'accord. Ouais. C'est important d'être toujours à l'heure le matin. D'être à l'heure? Oui. Ça, c'est important. Bah oui. Ouais. Bah j'arrive à 7h30 à la boîte et tout ça. Ah oui. Oui. Mmh. Le chantier, c'est à 8h, alors c'est ça. Donc il faut arriver avant? Oui, avant. Ouais. 7h15, 7h30. Ah, vous êtes en avance? Ah oui. Je viens toujours à l'heure, alors c'est bon. Autre chose que vous aimez bien dans votre travail, qui vous donne la pêche? La pêche? Bah, changer tout ça. Ouais, se préparer? Oui. Voilà. Mettre la tenue? La tenue, ouais. Blanc, propre et tout ça pour les clients et tout ça. C'est important, hein? Oui. Ouais. Pourquoi c'est important pour les clients? Parce que les clients, c'est important parce que les gens, ils voient entreprise marchand, waouh, c'est propre et tout ça. Vous êtes attentif à l'image de l'entreprise. Bah oui, voilà. Ouais, ouais. Il a une volonté de faire bien les choses. Les compagnons en ont besoin, ils ont vraiment besoin de lui. J'ai envie de faire des parquets et tout ça. De parquets, toiles de verre et carrelage aussi. Quand on est en ESAT, forcément, passer de l'ESAT vers milieu ordinaire, bon, on peut penser que la marche est haute. Donc je pense que ce qui est important, c'est en effet toute cette préparation, des valeurs, hein, tout simplement fondamentales, hein, qu'on peut apprendre à l'ESAT et qui seront aussi valables demain dans l'entreprise. Hein, donc nous, on travaille par une sensibilisation, c'est-à-dire que par une visite de l'entreprise. Après, il y a des stages, ce qu'on appelle des stages. Donc ça peut être des demi-journées, ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours. Hein, l'idée, c'est de faire en douceur. Voilà, la visite, le stage, ce qu'on appelle la mise à disposition, puisque c'est un des éléments hein, qu'on a, un outil qu'on a au niveau de l'ESAT. Et après, bah, bien sûr, quand c'est possible, voilà, après, ça peut être le CDD, voire le CDI dans l'entreprise. En dehors du fait de rencontrer l'entreprise, bien entendu, c'est aussi que la personne soit motivée. Et c'est certainement ce qui fait la différence. Au niveau d'une entreprise, il faut déjà que le chef d'entreprise soit partant, ça c'est la première chose. Mais après, ce n'est pas suffisant. En effet, il faut que dans l'entreprise, on trouve des relais. Hein, c'est aussi important, on s'est rendu compte dans d'autres entreprises que le chef d'entreprise pouvait être d'accord pour qu'une personne intègre cette entreprise. Mais à un moment donné, si on ne trouve pas, en effet, le contremaître, le collègue, qui veut bien accompagner, parce qu'en effet, c'est ça qui est important, il faut que face à toutes les questions qui vont se poser et qui se posent hein, autour de la personne, et puisse y avoir des réponses. J'avais accueilli Frédéric à l'atelier pendant 8 ans. Le voir après, 8 ans après, dans l'entreprise, donc c'était aussi voir son évolution. Je crois que différentes compétences, ça m'a remis justement dans l'idée aussi de retravailler le côté technique aussi des personnes par rapport justement à l'insertion professionnelle des personnes en entreprise, quoi. Essayer de, à travers la production aussi, comment on peut réintroduire de la formation, mais plus théorique, quoi. Et c'est ce que j'ai ressenti justement avec Frédéric, tous les termes techniques de peinture et tout, qu'il a acquis. Et pour moi, sans, je dis ça, c'est du professionnel, quoi. Aujourd'hui, on se le dit régulièrement maintenant, on a le sentiment, à notre échelle, d'avoir changé le regard sur le handicap de 45 personnes dans l'équipe. Et on ne mesure pas les interactions sur chantier qu'il a avec les autres entreprises, mais on le voit bien quand on visite les chantiers. On a peut-être changé de regard de centaines de personnes sur le handicap avec notre Frédéric sur chantier. Et ça, c'est une très très grande fierté pour nous. Et c'est une très très grande richesse dans l'entreprise.